あんなところをただ目指していったって日が暮れちまう。あれを見な。水の大聖堂、かつて山を祀る神事が行われていた。あそこにフィンブルベトルの中腹へ行くための天空橋を架ける装置がある。その橋を架ければ距離は格段に縮まる。詳しいのね。あの山に地獄への入り口があるって聞いたけど、坊や何か知ってる？地獄への入り口？あんたよっぽど悪いことしたんだな。あんたが天国と地獄どちらへ行けるか、あの山へ行けばわかるさ。来る者を拒む山だ。生きて帰れる奴はいねえ。坊やはどっちに行くのかしらね。俺は怖いの？坊や無理しなくてもいいのよ。うるせえ。俺はあの山に。坊や寄るな。Oh, mais j'y crois pas, il y en a marre, il y a jamais moyen de commencer PPR sur ce jeu. Y'a YouTube, c'est Sean Kasma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le 4ème épisode de notre aventure sur Bayonetta 2 et on affronte une seconde fois Chiron dans une autre forme, et sûrement que ce n'est pas du tout le même, un parent ou un cousin éloigné, mais sans qu'on sache pourquoi, Loki a été capturé et apparemment il est demandé. Alors du coup, comment ça se passe? Est-ce que je dois juste esquiver ou est-ce que... Changement de programme, ça se passe plus pareil. Qu'est-ce qui se passe? Parce que surfer, c'est stylé, mais c'est quand même dangereux. C'est hyper swag, hein. Franchement, ce genre de face, vous ne verrez ça que dans Bayonetta ou à la limite dans Azura Sword, pour ceux qui tenteraient l'expérience. Mais si jamais, oulala, on déconne pas, c'est bon, Bon, je pense que c'est un combat de boss, c'est assez bien amené comme ça. Le problème, par contre, c'est que j'ai pas retiré un seul point de vie et que j'ai toujours pas compris comment ça se passe. Attends. Ah si si, c'est bon. Je retire des points de vie, sauf que c'est pas folichon du tout. Saloperie, reviens. Reviens. Faut qu'on cause. Ça va pas. Viens te battre sur une... Oulala. Sur une vraie plateforme. En plus, mon effet de boulette, il marche pas. Ouf. Ok. On est bien. Oula, le voilà. Non mais... C'est pas vrai, j'ai pas réussi mon esquive, j'ai déçu. Est-ce qu'on peut mettre des coups? Ouais, on peut mettre des coups de corps à corps. Oh la vache! Oh la droite, on rigole même plus. Ok, on est dans la cuvette de toilette géante. Et à partir de là, je me demande encore une fois comment on va faire pour s'occuper de la bête. Parce que, waouh, il a pas perdu grand chose en termes de vie. Esquive. Ok. Bon, j'esquive sans esquiver depuis tout à l'heure, hein. C'est compliqué, j'ai pas l'impression de... Ah si, je peux bouger pour esquiver. Même si j'ai pas... Oh la vache, l'impression que ça agit réellement. Le voilà. Ouh, c'est bon, on l'a eu. Allez, allez, bourrine-le. Yes, c'est bon. On l'a comboté un petit peu, mais genre vraiment un chouïa peu. Qu'est-ce qu'il fait? No. C'est pas évident du tout. Mais ce combat va être éternel. Vous savez, en général, les combats de boss dans Bayonetta, c'est ce qui est censé durer le moins de temps dès que t'as compris la game et dès que tu sais comment on gère le boss. Sauf que là, le problème, c'est que pour moi, c'est une première et qu'en plus, il a l'air bien relou comme il faut. Aïe, je me suis pris un bâtiment. Ça fait pas que du bien, salopard, va. Ok. Même pas le temps de se chauffer. Est-ce que... Ouais, je peux toujours switcher d'arme, heureusement. Mais par contre, je crois que l'arc, ce sera réellement le truc qui va marcher le mieux. Je vois la lumière! Vite, sortons de là! Waouh!
c'est stylé. C'est genre méga Slay of Doom. Damn, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, ok. Bon, alors je vais pas vous mentir, je suis un peu en panique. Allez, on va changer d'arme, hein. On va switcher sur un truc de corps à corps. Mais attends, parce que du coup, j'en affronte combien de ces saloperies? Tu meurs! Il meurt pas, hein. Il meurt pas. Par contre, gna, il a l'air de prendre quand même en termes de coups. J'ai vu qu'il était pas mal blessé. À mon avis, t'as le chef et t'as les autres qui servent à rien. Allez, apothéose de l'oubra. C'est bon, on en a eu un. Ok, second. Heureusement, avec l'apothéose, ouf, je peux l'attaquer à distance. Oulala, il m'a fait peur avec cette pub. Il m'a fait sacrément peur. On va lui bourrave le visage. Voilà, d'ailleurs, visage qui est sur le torse, hein, en passant. C'est pas du tout logique. Je prends cher par contre, je prends très très cher. Heureusement par contre au niveau du scoring de fin de niveau, j'ai vu qu'on pouvait utiliser des sucettes sans perdre des points. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. J'aurais peut-être dû attendre par contre, parce que pour une sucette maxi, ça valait pas la peine de l'utiliser maintenant. C'est un peu du gâchis. En plus je reprends un coup par dessus. N'importe quoi. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ok, concentration. Concentration, papa est droit devant, et il est énervé. En fait, je pense que la dernière fois, le Chiron qu'on avait affronté en fin de niveau, ou en milieu, je sais plus, ça devait être un petit enfant. Oulala, oulala. Et celui-là, c'est le daron. C'est celui qui est méga vénère, qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache! Ok, on étudie le pattern. Qu'est-ce qu'il fait? Oula! Non, attends. Oh, ça c'est méga vénère. La vache, eh, il est dur à prévoir. Il est sacrément dur à prévoir! Non, donne un coup de patte. Non. Apothéose de Roombra. C'est moi qui te mène, Gugus. Tu vas voir. Je sais pas, il a combien de barres de vie, mais j'ai même pas l'impression de en avoir retiré une seule. C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Olé. Le coup de cœur. Oh, c'est vache. Ça se fait pas. Ouh. C'est bon. Tac, on se rapproche. Je peux me rapprocher, hein, quand je suis en bullet time. Olé. Allez. Ouais, d'accord. Approche que dalle. Ouh. Allez, switch. Ah, je suis pas chaud du tout. J'ai même pas eu le temps de me préparer au combat. D'habitude, on a toujours un petit temps de chargement où on peut s'échauffer bien avant le niveau. Mais là, c'est ouf. Pas passé. Brûle-le. D'accord, c'est pas grave. Non. Du calme. Mais tu vas switch. Ah mais non, mais c'était l'autre bouton. Ah, c'est pour ça. Olé. Tac. Apothéose de l'ombre. Qu'est-ce qu'il fait? Il met pas bien. Il met clairement pas bien. Non. Allez. Brûle-le. Olé. Ça passe. Par contre, je sais pas pourquoi, mais sa voix s'était cristallisée. Il m'a fait paniquer. J'ai cru que c'était un bouquet de la mort. Enfin, de la mort. Plutôt du paradis. Comment on peut désigner, comment dire, une technique ou une arme venant du paradis en soi? C'est pas de la mort, c'est de la vie. On est d'accord? Enfin, c'est illogique ce que je dis, mais bon, pas. On va tenter de lui refaire la mâchoire comme mon dentiste. Ouf, vache. C'est pas évident, parce que autant les esquives, ça y est, je commence à les faire, autant par contre les dégâts, ils rentrent toujours pas. Tu vas bouffer. Mais saloperie, va, mange. Compliqué, hein. Ce serait tellement plus simple si on pouvait être à terre. Tellement plus simple. Meurs, salaud. Meurs. Olé. J'arrête pas d'annuler mon poulet. On va avoir sa première barre, jeune gens. Allez, oh non. Je me suis laissé distraire. Et de 1. Allez. Oui, c'est bon, on a atteint sa première barre. Oh, GG. Ok, c'est la dernière, c'est l'heure du bourrage et du fourrage. Je vais te refaire la mâchoire, mon pote. Il est compliqué, hein. Ouf. Ok. Je dirais pas moi un petit coup de main, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut venir m'aider. Il est passé où, Loki? Ah oui, c'est vrai, il l'a mangé. Autant pour moi, je me posais des questions idiotes. C'est pas grave. Tu vas prendre dans ta brioche. Non. Olé. Ah purée, c'est super dur à esquiver son coup de mâchoire. Je crois que c'est le plus dur de toutes ces attaques. Bon, celle-là était facile, mais celle d'avant, elle était plus compliquée. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime pas quand il fait des trucs chelous.
Genre des trucs que t'as jamais vu en... Non. Oui. Bourre-le. Non. Tu le bourres et tu le fourres. Oui, je me suis pris un coup de patte juste avant la fin, quoi. La honte. Oh, la difficulté du combat. Oh, le délire. あら、そう。でもあんたたちの都合はどうでもいいわ。さようなら。 Ouah, et bah écoutez, fin de combat de boss, ça fait plaisir, du coup épisode un petit peu court, mais là, j'ai besoin d'une pause. On s'arrête donc ici pour l'épisode numéro 4, j'espère tout de même que ça vous aura plu, c'était court, c'était intense, j'ai explosé ma voix, j'ai chaud, je suis en sueur, je vais aller prendre un coup d'eau. Ouah, ce combat de la difficulté, oh, c'était technique, surtout sur le début, sur la seconde phase, c'était un petit peu plus simple, dès que t'as compris le tempo, ça passe plutôt bien, mais faut s'accrocher. J'espère tout de même que cet épisode vous a plu, c'était court, c'était intense, ça m'a fait plaisir, on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 5 que je vais aller vous enchaîner juste après, puisque là j'ai vraiment rien tourné limite, et du coup je vous fais de très très gros bisous, c'était Sean Kazma, à vous, ciao.